Putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, les mecs, toi. Salut. 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 Bonsoir. Allez. C'est pas 20h30 le débriefing? Comment? Non, c'est écrit 40. 40? Ah, oh, c'est moi, je me suis trompé dans le bon sens. Je croyais que j'étais en retard. Salut à tous. Et bonjour. Et bonsoir. Salut. Bonsoir. Un problème aux voitures là. Elle veut pas démarrer. Cette connerie. T'as mis de l'essence? Voilà. Il y a de l'essence, il y a tout. C'est la première chose que j'ai regardé, je suis encore du garage donc. Salut! Bon, attends, je vais quitter, je vais revenir. Ça démarre, ça démarre. Ah. On va se dérouler pendant la course. Ah mais t'étais sur l'ancien serveur. Bonjour, bonjour. Oh la vache. T'essaies de rouler sur quel serveur là? T'as dit qu'il y a la voiture. J'étais rentré sur celui qui où il y avait plein de monde là. Ah ouais, mais du coup il est terminé. Ah, bon, c'est pour ça que la voiture n'est pas démarrée. Oui, la session est finie, je crois. Là, ça switch sur le serveur de course, je pense. Enfin, pour la course, c'est libre de le. J'avais peur que j'avais déjà cassé l'auto alors que... Non, non, c'est faut juste que tu prennes l'autre serveur, je crois. Ouais. C'est le même mot de passe? Oui. Ah oui, c'est... Il fait nuit, on va ressortir. Ah mais j'étais rentré sur les vannes, ouais, c'est bon, je suis là. C'est bon, je suis là. Putain, je suis bon, moi, je suis bon, tiens, démarre.
Bon, elle a démarré, c'est bon, j'étais sur un autre serveur. Je me suis dit, s'il y a un problème de matos, que je règle avant la course, ce serait pas mal. J'ai remis de l'essence, c'est bon. Messieurs, bonsoir. Salut. Bonsoir. Zito, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Ah ouais? Ouais, j'ai mon collègue en fait qui est inscrit sur la course de soir. Il n'arrive pas à voir les salons et en l'occurrence le salon briefing de ce soir. C'est parce qu'il a pas fait sa présentation. Parce qu'il a accepté le règlement, etc. Mais Il a ok. oublié de mettre un message dans la présentation apparemment. Allez, vas-y, bah je reviens là tout de suite. Bien. Salut tout le monde. Salut. Salut. Voilà. Salut. C'est pas déjà fait, le serveur est en ligne, n'hésitez pas à rentrer dessus et à me dire si vous pouvez bien rentrer. Je peux rentrer, mais j'ai le soleil en pleine gueule. Hein. Ah ouais, bon, là, je pars à 8h. Sans les lunettes de soleil. Si je vais rentrer, parce que s'il faut que je fasse un redémarrage serveur, faut que je le fasse avant 20h55. Ouais, d'arriver à ta tête. Salut, c'est Salut, Gilles. Salut, salut. Ouais, je suis désolé, il a toujours le même problème en fait, malgré la présentation et après avoir accepté le règlement. Il y a Tony qui est arrivé. Bonjour Tony. Salut Moyen, qui ça tu vas qui a bien? le problème de quoi? Ouais, c'est pas énorme. Hein. En fait, j'ai Maxime de la 2PF là, qui s'est inscrit après ce soir à la course. Il a accepté en fait le règlement et la présentation et malgré ça, il n'a toujours pas des salons et en l'occurrence celui de. Ouais, c'est normal car ça lui a mis le rôle donc. Ah, je crois qu'il peut m'arranger ça? Ouais, c'est fait. Allez, bah nickel. Je vais le chercher. J'en ai un autre ici, à mon avis. Ok, je vois que juste en l'air. Ah, bah ça va manger. Je sais pas qui a parlé, qui est très faible, mais. Salut à toi. C'est Maxime pour le coup, oui, il a un Ah, micro qui est pas extraordinaire. Mais il vous passe le bonjour. Bien le bonsoir. Mets-le aussi par un trou de sortie, mais. Mais pas celui que tu penses. Le bon endroit, il est bon. Bonsoir, bonsoir. J'ai pas de saut serveur, Tony. Alors, tu es inscrit sur la liste depuis quand? Depuis dimanche. Dernier. C'est bizarre, mais je suis inscrit à moi et j'ai accès. Ouais, c'est pour ça. Bizarre. Il y a des privilégiés. Ouais, alors qui? Alors. Ouais. Parce que il faut se présenter sur le Discord. Je vous mets le rôle pilote ACC, mais je ne vous mets pas le rôle présentation. Vous irez la faire. Ouais, mais toi tu peux rentrer, donc c'est que tu l'as déjà. Ah oui, j'avais pas vu. J'avais vu que le tir. Voilà. Donc, qui me disait qu'il n'y avait pas accès au serveur tout à l'heure? C'est bon, j'ai eu un bug avec le PC, ça fonctionne. Voilà. Ah ouais, mais fallait me dire que c'était toi, j'aurais pas cherché, toi. Je sais que t'as toujours des problèmes, alors. Ma vie est un problème. Bon, bah, si on est bon pour tout le monde, c'est parfait alors. Il n'y a pas de redémarrage serveur à faire.
que je vous préviens, après 20h55, je le refais pas. Présent, Tony, présent. Je suis ok, Tony, tu seras présent. Bonjour. Si c'est fait au. Voilà. Là, qui tient bien les rues. Et donc, il avait pas mis tout, tu vois. Ah, ben, les gars. L'apéro, c'est après. Ouais, je comprends. Mais n'oubliez pas, vous êtes censé être au volant. Avant, après, mais pas pendant. Bon allez messieurs, on va commencer le briefing, comme ça c'est fait, on est tranquille, après on peut discuter. Super. Donc bonjour à tous et bienvenue à l'Open numéro 28 sur le circuit de Suzuka au Japon. Au pays du soleil levant. La météo normalement, vous aurez une météo du Japon. Voilà, je pense que de toute façon vous l'avez assez vécu toute la semaine, la météo, elle ne change pas. Donc ensuite 10 minutes de practice, 20 minutes de qualif et 75 minutes de course avec un pit stop obligatoire pour changement de pneu. Le pack de skin est à votre disposition dans l'onglet livré. Pour les premiers tours, messieurs, les sanctions seront multipliées par deux. La victoire ne se gagne pas et ne se perd pas non plus au premier virage. Donc prenez votre temps, soyez patient, vous avez 75 minutes. Vous avez largement le temps de faire une remontée. Il est interdit de zigzaguer en ligne droite afin d'empêcher au véhicule qui est derrière vous de prendre l'aspiration. Vous avez le droit à un seul changement de position, au-delà de ça, ce sera considéré comme du waving. Et pour ceux qui ne sont pas anglophones, du tissage. En gros, vous n'avez pas le droit. Point final. Les changements de direction soudains, juste avant ou dans la zone de freinage, ne sont aucunement autorisés. Vous êtes invité à prendre connaissance des règles de dépassement. Les retours en piste doivent se faire parallèle à la piste et laisser le peloton passer s'il est possible de rejoindre la piste de façon sécuritaire afin d'éviter un suraccident. Donc, vous laissez bien, vous avez une map pour regarder s'il y a des bagnoles qui arrivent. Vous rentrez bien le plus parallèle possible à la piste. Et surtout pas à la perpendiculaire. Et surtout, vous regardez bien votre map pour regarder les pilotes qui arrivent. Et vous ne jetez pas sur la trash comme des tarés. Le delta de vitesse est énorme, généralement. Un retour au garage par la téléportation pour entrer au stand après un accident est autorisé en qualif, pas en course. C'est considéré comme un DNF. C'est une simulation, messieurs. Donc, il faut essayer d'aller au bout de la simulation. Même si la bagnole est éclatée. Après, voilà. On en revient à un point où on est sur un open aussi, on est là pour s'amuser. Et donc, du coup, si la bagnole est complètement éclatée, on vous autorise effectivement à faire un retour au stand pour pouvoir repartir. La ligne des sorties des stands doit être utilisée jusqu'au bout. Il est strictement interdit de la franchir. Encore une fois, il y a du monde. Ça sera regardé. Si vous franchissez entièrement la ligne, c'est un DT. Toutes les sanctions liées aux limites de piste, vitesse excessive lors de la procédure de départ ainsi qu'en pit lane sont gérées par le jeu lui-même. C'est pas la peine de venir se plaindre à la commission dans ces cas-là. Sinon, pour toute autre recommandation, n'hésitez pas. On est là pour ça. Il est interdit de doubler sous drapeau jaune. Ce dernier vous signale un incident en piste. Vous devez ralentir afin de vous préparer à effectuer une manœuvre d'évitement ou un freinage fort. Un suraccident provoqué par le non-respect de ce drapeau jaune sera sanctionné. Donc un drapeau jaune, c'est un danger.
Donc on ralentit, on regarde où est le danger et on fait ce qu'il faut pour l'éviter. Et celui qui a un drapeau jaune, vous faites bien attention à ce qui arrive encore une fois. Le drapeau bleu est un drapeau de courtoisie. Vous devez laisser passer le pilote qui est derrière vous. Peu importe votre position, vous facilitez le dépassement et restez sur votre trajectoire afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Inutile de sortir de la piste, restez dans les limites du circuit. Donc vous avez des indicateurs droite et gauche. N'hésitez pas à vous en servir. Et essayez voilà, de faciliter le dépassement, si possible, dans des lignes droites. Voilà, essayez d'être compréhensif autant pour l'un que pour l'autre. La fenêtre de chat est strictement réservée aux commissaires de course, sauf durant les qualifs, mais si on peut éviter, c'est mieux. Il y en a en VR qui voient un message en plein écran, c'est un peu compliqué de conduire. Donc, évitez, à part, bien sûr, s'il y a des raisons de le faire. Si en course vous mettez un message, c'est un SG10. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de facile à éviter, donc la punition est sévère. Le départ est avec un tour complet interface Kunos, aucun restart de serveur ne sera effectué, la course ira à son terme quoi qu'il arrive, sauf si le serveur plante lui-même. La course est retransmise en live sur la chaîne Twitch d'Annie, comme d'habitude. N'hésitez pas à les follow si ce n'est pas déjà fait, et une commission de course comme d'habitude à la LMR. Si c'est pas déjà fait aussi, la recherche c'est LMR espace S et le mot de passe c'est Nala 34 en majuscule tout attaché. On change pas une équipe qui gagne. Sur ce, messieurs, bonne course et si vous avez des questions, bah c'est le moment. Merci. Tu me switches avec toi, Anthony? Yep, yep, yep. Pareil pour moi, un peu là, histoire d'être sûr. Oui, tous. Bonne course. Bonne course à tous. Allez, bonne course. Bonne course. Bonne course, les gars. Tony, oui. Sur le serveur. Ah, y a Zacha. Il y a besoin de sortir du serveur. Hein, il est en bout de pas automatique. Je vais aller à Vega Missile. Ah non, non, il y a pas besoin de ressortir. Bonne course à tous. Ok, merci. Il va rester comme ça. En fait, les qualifs se lancent juste après. Ok. À la fin de la session, les qualifs vont se lancer directement. Ok. Allez, bonne course à tous. Bonne course, les gars. Juste. Salut les gars. Salut. Il est fort sortir du serveur à chaque fois, je suis sûr, il m'a dit ça, mais... Non, il est configuré. Non, maintenant ils l'ont configuré pour que ça passe comme ça. Ok. Les qualifs, genre, c'est que dans un quart d'heure.
Ouais. Alors quoi, peut-être qu'ils vont cut le truc. Ouais, ils vont passer. Ou si j'arrive à faire le même temps que je viens de faire là, je suis content déjà. D'accord, c'est combien, 57 ? Ouais. Un 2.02 déjà, c'est pas mal. J'aime pas ce circuit, je comprends pas. La voiture glisse tout le temps, c'est vrai. Tu t'en as combien ? 2.02. 3. T'as pris quoi comme setup ? J'ai le ah, je sais plus, j'en avais modifié un, mais je sais plus si c'est le Go ou le IMO. Là, je prends le IMO, là, 1.9.8 ici. Ah, mais je sais pas, j'avais modifié un, mais du coup, elle est un peu plus stable, mais elle me glisse malgré tout. Oh, c'est circule en général, il était sûr. Il fait glisser pas mal les bagnoles. Hein. Moi, ouais. Je suis avec le IMO 1.5, enfin 1.95, ça glisse du coup quand même. Et les pressions au cul, c'est pareil, c'est pas bonne, j'ai remis 0.4 PSI partout. Merci pour le follow, Rose. Ah, je sais qu'il y a personne qui a la Mercedes en IMO. Je sais pas comment ça se fait que Val il a réussi à les mettre dans le Discord et que personne les a. Mais t'arrives à les choper dans le drive. Ouais, mais c'est l'ancienne version, c'est les 1.9.5. Ah et ouais. 1.9.8 qui est sorti, mais je sais pas où il les a eu les 0.5. Bah c'est peut-être quelqu'un... Attends, il y a quelqu'un qui roule... Il y a Benjamin, mais je sais pas s'il roule les IMO. Oui, c'est vrai, c'est Benjamin qui roule les... Ouais, faudrait... J'enverrai un petit message ou mets un message dans le chat pilote. Ouais, j'avais demandé sur Messenger, mais je m'étais pris un gros vent. Ouais, mais je crois qu'il était... Je crois qu'il est en vacances en ce moment, je suis pas sûr. Oh, MP-le sur... Ouais, sur Discord, sur ça. Sur Discord ou... Tu l'identifies. Le 19.5, il fera l'affaire pour soi. Oh, ouais, non. Il est là pour le fun. Hein. Ouais. C'est pire que ce que j'ai modifié avant, il est tout le temps parti. Ah, ça va être horrible ce soleil. Ah, j'ai vu un 59.0 tout à l'heure. Ah, oh, bah, il y en a un autre qui l'a fait. Oh, le CRO, les mecs, ils sont en 57 bas là-dessus, je crois. Ah, 57, ah ouais. 56. Ouais, mais c'est une... Tu te dis, à mon avis, ouais. Ils ont pas la chicane de la fin. Ouais, j'ai déjà vu les vidéos, là, comment ils roulent, hein. C'est des gros ports là-dessus. Ah, bah, je regardais une vidéo de vite fait de notre lap, mais comme je la coupe même pas comme ça, la dernière chicane, comment il l'a coupé le mec sur. Bah, y a le championnat allemand là ce soir. Il commençait la Dutch, je sais plus quoi là. C'est pareil, les gars ils roulent fort dessus. Hein. C'est quoi, c'est un championnat sur Simgreen, non ? Oh, je sais plus, c'est championnat allemand, il est diffusé, il est en partenariat avec LFM et puis du coup. Ah oui, ok. Ouais, c'est pas pour nous. Mais bon, les gars, là comment ils roulent quoi. Bah, t'attends, t'as le team William C Sport et tout quoi, t'as ceux du SRO qui jouent quoi. Ouais, moi la chicane de la fin, j'ai vraiment du mal. Hein. Je dois le prendre une fois sur 5 bien et encore. Mais j'ai regardé une vidéo parce que pareil, ça fait un bail que j'ai pas roulé sur circuit là. Ils font du trail breaking partout en fait. Ils freinent jamais à 100% sur tous les virages. Ouais. Un circuit là, quasiment il faut juste effleurer les freins sur presque tous les virages quoi. Ouais. Le centre inverteur, c'est pareil, je sais pas comment ils font. Il lâche juste l'axel, moi je fais ça, je fais en dehors de piste. Bah le 131, ouais, moi je relâche un chouille, c'est tout, je freine pas, hein. Je rétrograde pas. Je suis obligé de faire un léger frein pour qu'elle pivote, sinon Moi je reste quasiment en 5, je passe même pas à la 6. Je passe à la 6. Mais vraiment un léger frein, parce que je freinerai pas, ça serait pareil, mais je suis obligé pour qu'elle pivote. Je me rappelle une fois il y a eu un open là-dessus, je sais pas si vous y étiez, le mec le 131. Il y en a un troisième à 59, tiens. Mais il passe à 130, vraiment. Oh putain. Bah des 59, ouais, il y en a 3. Tout à l'heure, j'ai fait sont 50, serrés, hein. 59, 6 ou 7 là tout à l'heure. Je
sais pas si je vais le refaire. Je pense la météo, les tempêtes, ils vont baisser, non? Bon, déjà dit X après, mais... On prend encore combien de mois? Ah, on prend moins de... C'est le seul circuit, je crois, que la BM prend moins de kilos que... Ah, il y a du moins. Oh. En même temps... Oh, on a moins de, nous, la BM. La vache. Pour une fois. Bon, la Merco, je sais pas, je sais pas combien, je dois reprendre du poids, moi, sur ce circuit-là, je pense. Merco, plus 13. Ouais, peut-être pas. De toute façon, la Merco, elle est bonne partout, donc il la laisse presque partout. À part la Honda qui a moins 16, sinon il n'y a que la BM qui a moins 2 kg, toutes les autres en sont en plus. Ouais, plus 13 la McLaren, plus 13 plus la 13, Ferrari, plus 16, plus 7 la Ford. La Mustang, elle a combien? Plus 7. Non, ça va, avec la 7 livres. Attends, c'est où qu'ils y ont mis 1 kg? Ça fait triper. 1 kilo, ça doit pas changer grand chose. Rony? Ouais. Tu saurais me dire ce que t'as mis comme setup? Le IMO. Je roule le IMO là. Ah, c'est le IMO, merde. Bon. Je sais quoi. Parce que du coup, j'ai pas enregistré mes pressions, j'ai rien enregistré du tout. J'ai pas eu le temps de forcément beaucoup m'entraîner. Mais vas-y, t'as à faire. Je vais les faire pendant le qualif. Bah, je peux t'enfiler des pressions si c'est que ça. Hein. Vas-y, dans ce cas-là. Bah après, je suis avec un setup, un go. Ouais, bah après, à 2-3 clics, quoi. Mais pour te donner une idée, ouais, je suis à 25-4, 25-2, 24-9, 24-9. Ok. Là, normalement, c'est mes pressions en mode course. 24-9. Avec 83 litres. Ok, nickel. Et tu pars à 83 litres pour les 1h15 ou... Enfin, t'as combien de... Tu utilises combien de carburant pour... Je vais décaler ma strat, je vais pousser à 45 minutes. Du coup, au total, ça fait 84. Je vais mettre 83 et je vais remettre 54. Nickel. Merci. Après, je peux pas te dire si c'est la bonne strat ou pas. Ouais, dernière fois sur le pole record, j'avais un undercut, ça m'a fait remonter 3 places. Pas trop mal. Moi, je suis à 70-60 avec la BM. Ouais, moi aussi, moi. Avant que je prenne un DSQ. Moi, je sais pas, je verrais bien. Qu'est-ce qu'il me dit Ah, c'est Speedride. C'est qui? Attends, il y a un qui a plein de mots froids là. Déjà, faut voir comment se passe sur le premier tour. Ah n'empêche, un châssis ça, quand même, ça change quand même toute la vie. Ouais, c'est bien un châssis, moi faut que je le change. Là, le Hoplit, je le vrille. Ah, moi là, celui que j'ai acheté, c'est une tuerie. Vraiment, il bouge pas. Vraiment pas déçu. Putain, mon casque là, il tout le temps il est chargé là, il fait tout le temps un pipe là, un machin il est mort. Ah bah moi il commence à faire pareil, c'est un Corsair, à chaque fois il met plus la diode verte à chaque fois quand il en recharge. Il reste toujours orange, il arrête de recharger à 3%. Ouais, il y aura du client hein, le top 10. C'est quoi comme Corsair? Hein? C'est quoi comme Corsair? Oh, alors là aucune idée. Je sais plus c'est quoi. C'est le blanc quand même. Ouais, le blanc. Ouais, le Boy de Pro, le Boy Pro ou Elite. C'est le RGB Elite, ouais. C'est génial. Je viens de l'acheter. Ah ouais, il est pas mal, hein. Bah, je sais pas, mais là, du coup, je vais me flipper avec vos conneries. Ah, après, moi, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai, hein. Il a déjà pris pas mal de charge dans la gueule. Puis pareil, il y a le coup du. Je finis de. Comment? Les open, je le branche, il n'y a plus de batterie, puis je le laisse en branche toute la nuit, quoi. Donc il doit pas aimer non plus. Okay. Ah, carrément, tu le laisses comme ça toute la. Ah, ouais, il doit pas aimer, je pense. Bon, après, il se régule tout seul normalement, mais bon, ouais, il est quand même sur l'ordi. Bon, l'ordi il est éteint. La prise, elle est minime sur du USB, donc il prend la charge quand même toute la nuit. Peut-être pour toi aussi que je te plains. Bah, après, ça va, il tient quand même
Et un co. Allez, alors, on joue quasiment tous les jours, comme là, les open, je fais une semaine et demie avec la batterie, largement. Là. Ouais. Au début que je l'ai vu, du peu que je jouais, ça tenait quoi? Un mois. Presque un mois. Sérieux? Ouais, ouais. Vraiment, vraiment, la batterie, elle est énorme, la batterie. Bon, je vais faire un tour au pit. Que je les repère. Et je suis à 2/10 de toi. Bon, bah, je reviens. Je voudrais qu'on se fasse la qualif. 3 minutes. Allez, à tout. Ouais. Très bien. Voilà, faire gaffe, il y a des mecs, il y a des loulous là. Ah ouais. Bon, on en discutait tout à l'heure dans le Discord là, à première vue, il y en a plein qui sont pas connus. Hein. Ouais, bah ouais. Il y en a un, l'autre jour, je l'avais plus, j'y mets, même moi qui suis lent, j'y mettais 4 ou 5 secondes autour. Ouais, il y en a, ils sont. C'est chaud. Tant qu'il n'y a pas Villa Sec, moi ça me va. Je sais pas ce qu'il m'a fait la semaine dernière, mais il m'a fait un dive de 3 minutes. Tout. Bon alors là, ça commence ces qualifs là. Ah oh, putain, j'ai perdu. On peut y passer 2 heures là. Ouais, parce ouais. Qu'au final, d'habitude, on commence plus tôt. Bon, on commence à 21h. Bah ouais, là il est 21h10, 12, machin. Ouais. Et moi qui me disais je voulais pas faire les championnats X0 parce que je trouvais que ça finissait trop tard et en fin de compte la MR ça finit aussi tard quoi. Bah ouais. Donc t'as plus d'excuses. Ouais. On verra quand je serai moins fatigué. On verra quand je serai moins fatigué aussi. Ça sera bien. Calif devrait commencer à 9h quoi. Ouais, oui. Putain. Je baille déjà, ça va être beau. Avec Calif dans 46 minutes. Ça vous dérange pas le live ou pas? Ou si? Non. Mais les images, vous mangez là-dessus. Tout stream voilà, de la nuit, je suis content pour la diffusion. Moi, bon, j'espère que les serveurs vont pas faire comme hier soir. Hein, Romu? Ouais, c'est clair. Oh, le carnage, restart en plus, Ferrari elle te tape et tout, c'était n'importe quoi. Ah, j'étais un peu blasé hier. Je perds la win, mais bon. Bah, clairement, ouais. Ça aurait pu être pire, j'ai envie de te dire, mais. Allez, les gars, rentrez au pit là, au lieu d'attendre. Ah
Les gars, ils vont jusqu'au bout. Oh, y'en a, il a défoncé du coup. Ouais, bah ça se mord à une 59 bas pendant les qualifs. Ici. Ouais, désolé, Clément, je suis au stand. Après descendre 58, je pense pas. Enfin, c'est combien sur 15 minutes la course, c'est ça? Ouais. Oui. Ah nice. Direct comme ça là. Ah c'est bon. Vas-y Flo, Flo avance. Oh bah attends, j'ai mon volant qui est encore fait de la merde. Ouais, j'ai ish des moments. C'est lui qui braille. Ah merde, désolé, je pensais avoir fermé mon micro. Qu'est-ce que je fais moi? Ouais, t'es parti là. Ouais, ouais. Parce que je regardais que ça rentre ou pas trop devant, quoi, si je pouvais continuer de lancer ou pas.
Je l'aime pas. Thank you.
Ah, j'ai failli aussi. T'as vu Romu le temps? Non. La poule? 58 mètres. Mmh. Hier, il y en a un avec une bagnole rose, une McLaren de mémoire, qui est descendu en 57. Bon, bah, c'est lui sûrement, à mon avis. Bah, de toute façon, ça. Ça doit être. C'est soit Croza, soit Mofra. Hein. Là, je suis des manches pas moi sur le jeu, sur le bordel. Si je trouve sympa, mais j'ai vraiment pas le temps de rouler dessus comme j'avais fait avec Paul Ricard. Ça va ce soir, il fait pas trop chaud. Pour l'instant.
Moi j'ai une maison assez fraîche dans l'ensemble, ça va. Ça roule fort ce soir, il y a du client de ouf. Le chrono c'est ouf. Maman qu'on est mauvais. Ah, j'avais de l'avance, j'avais tourné le volant. Le 1, je les mets jamais, ils sont tout le temps usés, je comprends. C'est un truc de fou. Ils te les mettent par défaut quand tu les retrouves au garage, non? Bah, je sais pas, ça me saoule, c'est vrai. Ah, j'ai tout niqué dans le dernier tour, j'avais 5 dixièmes d'avance, quoi. En 1,59. Trop deg. Moi
Moi la chicane, putain, elle me se saoule la, la chicane. Je suis sûr que je perds 2, 3 dixièmes. Moi je suis le 130 frérot, je perds un crevé. Le 130 R, je perds facilement. Ah, je perds facilement 3 dixièmes. J'arrive pas à le passer pied doule. Et là, je gagne 5 dixièmes, je pars. Bah, je sais pas, je suis derrière toi, je suis pas en avion. T'as réussi à faire le 1,59 comme t'as revu. Il est encore amélioré, lui. Du bol, je sais pas qui c'est. C'est pas le commentateur déjà. Et bah putain. Et il sera plus derrière nous. Oh. Ah ouais. Là, tu m'as repassé à la fin. Ah il est passé à la fin. Il est combien du coup? 25. Dans le dernier tour, quoi. On a juste gros lot derrière. J'étais pas repassé devant, Dylan. Les gars, vous l'avez fait exprès ou quoi là? On a fait une triplette à l'arrière là. On s'est réunis. Ah, t'es juste à 2 dixièmes. Et je crois qu'il y a 2 dixièmes ou 3 dixièmes de toi. Mais 2 dixièmes, et en plus, dans le dernier tour que je faisais, j'ai annulé et j'avais 3 dixièmes d'avance sur mon temps. Moi j'ai amélioré 2 dixièmes en plus aussi. Je vais mettre moins de carrossage à l'avant moi, parce que là on va bouffer du plus. J'ai envie de faire une strat décalée, tu sais, m'arrêter tard. Je vais descendre à 3,5 en carrossage au lieu de cut. Et combien si les 8 dans tout, 8 en dessous la seconde. Ah, y a un bon écart entre moi et Drouin un peu quand même. Ouais, 9. McLaren, McLaren, Ford, Honda, Ford, Porsche, Mercedes, BM, BM, Fefe, BM, BM. Honda, alors il y a route, il y en a qui roulent encore cette voiture. Ouais, l'Honda sur Suzuka, bah, apparemment. Elle est amusée. Ah, quand tu la maîtrises, l'Honda, je pense que c'est une bonne voiture. Ouais, l'Honda, c'est vrai. Hein. L'autre coup, là, il y a Yann qui l'a pris là sur une manche de championnat à Valence. De toute façon, les circuits elles performent avant la mise à la dernière mise à jour, c'était la Spa. Il y a Suzuka où elle est hyper forte. Et c'est quoi l'autre circuit? C'est un petit. C'est pas Zolder? Si, je crois que Zolder elle est pareil. Elle est à l'extérieur. Putain, il dit combien d'essence lui? Résultat, je suis à l'inté. Estimé à la fin, je suis à l'inté. Si je foire mon si je foire mon départ, c'est mort, je me fais baiser une place déjà. Je m'arrête trop. Vous partez avec combien vous en essence? Moi je vais faire 83,54. 3,54. Parce que moi j'ai 59,59 en essence. Ça fait 120. Ouais. 120 litres en étant à de 93 ou. Moi ça va me faire 130 litres. Ça se met plus vite, ça consomme plus. Vous êtes à combien vous avec la BM? 2 litres 4. Ah ouais, vous êtes un peu au-dessus. Ah j'ai une différence de 10 litres pour 2 litres 4. Ouais. Je suis à 2,93, il me dit. Ouais, il y a une couche. Je fais 3,27 autour, les. Pour la BM. Autour, 75 minutes, il me dit ouais, 118 litres avec tout. Ouais, bah comme c'est là. Moi je vais être en gros départ.
une strate écalée. 800 litres. Quelqu'un se souvient à peu près des temps de gros lot ou pas? Je crois qu'il est. En gros lot. 5-6 dixièmes de litre. Ok. Donc lui il passe pas. Mais il est un peu dangereux comme type hein. Ouais je crois, ouais il est dangereux. Va être méchant mais il est un peu dangereux comme type. On respectait les anciens les gars, il a 70 balais. Ah bah voilà, les vieux au volant aussi. Putain faudrait les piquer hein. Moi j'ai évité de faire comme l'Open la semaine dernière. La semaine dernière, sur le tour de chauffe, je plante la bagnole dans la ligne droite en plein record. Ouais, en train d'en chauffer les pneus, j'étais déjà plus. Ça fait quoi en qualif là? Romu t'es P8, moi P13, derrière ça dit quoi? Oh 30, 31, 32, 33, comme ça? Ouais. Ok, ok. 32, 33, 34. 32, 33, 34. Jérémy qui est 17, je crois. Ah, j'ai pas vu, ouais, c'est vrai qu'il est 8. Ouais, j'ai un, ouais. Oh, il a déjà 2 qui partent descendre. C'est pas grave, on gagne 2 places déjà. Il y a Duval. Je me souviens du numéro, je sais pas pourquoi, pas me demander. Je suis sur le coup. En premier tour. Non, tout à l'heure j'ai dit 2,40. Putain, je me suis gouré dans mes. Non, ouais, non, c'est. Sinon, ouais, c'est gouré, en soi. Que tu fais combien, moi, ouais? Je suis presque à 3 litres, moi, avec la Merco et la BM, je sais qu'elle consomme 0,20. 3,40, je suis à 3,40. Ouais, bah après, moi, tu vois, je suis à 3,26 ou 3,27. Je me suis gouré dans mes strates. Et je prends 130 litres sur toute la course. Attends, en fait, Romu, tu dois faire 80-80 en gros, presque. Ah, quasiment, je pense. Ah ouais? Ou 80-70, on me connaît comme ça, mais. Moi, je fais 59-59 en litrage. En comptant le tour de formation et le pit, c'est pareil, sans compter le pit. Donc je vais être un peu large, je vais peut-être avoir allé un petit litre en trop, mais. Sérieux? Putain. De toute façon, moi, il me dit. Estimation, il me dit 120 litres pour la course, pour une heure un quart. Donc je suis dans les clous. Mais sur un CDR, il te marque quoi, toi, Romain? Si, Estimade 120, ouais. Ouais, moi, il met 120 aussi. Donc, Ah, mais il peut peut-être pas mettre plus, donc. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que oui. Je peux pas, oui. Ah, putain, ça va avoir. Je suis bourré. Je t'ai dit, pour 3,20, ouais, 3,30, on va dire, t'es à 70-60. Ouais, bah c'est pas grave, tu changes ta strat pour mieux, tu rajouteras de l'essence sur ton pit. Rien de ça. Toujours pas le 70 km/h quoi. Ouais. Ah ça y est. Mais elle est trop loin cette ligne. Allez, bonne course. Oh, j'ai failli avoir un petit. Oh, ça freine déjà là.
sûrement dans l'herbe. Oh, tu vois, il y a une forte qui fait de la merde là. Bordel, si j'ai qu'à jouer au départ, j'aime pas ça. J'ai été resté en map 3, moi, quel débile. Et ça a dévié. Ah, parce que ça a dévié tout n'importe comment. Devant moi. J'ai parlé de place, quoi. Alors, en même temps, gros sac. Drapeau jaune devant. J'ai fait un dépassement là. La chicane. T'es méchant. T'as vu le mien aussi au départ. J'ai fait l'extérieur. Oh oh oh. Ça a tapé pour moi. J'ai Jérém qui a tapé le premier virage. C'est qui qui a derrière vert là, c'est Romy? Non, c'est Jérém. Ah. La voiture elle est affreuse avec le plein de virage. L'autre, le Durand avec la Stone, il cherche là. Oh, il y a des meilleurs points que nous, surtout.
support system, so far. Oh, t'as eu chaud, hein. Ouais. Même derrière, ça a l'air de plus bordel. Oh là! Oh, il y en a un derrière à la chicane, le qu'il a pas freiné, il est rentré dans celui qui est devant moi. Mais sale! Bah, je crois que c'est le dieu qui a pris le thank you.
Ouais, oui. Yo Steph. Ouais, je la perds, putain. Ah, je peux pas, j'ai mes pneus qui montent trop en température, je pense. Ah, oh, deuxième cut, c'est mort, je peux plus rien faire. Ah non, bah je suis sorti dans les S. Attention, il y a fou en tête là. Ouais, j'en ai passé. Je crois que c'est la course la plus longue que j'ai faite. J'ai déjà deux cuts, donc on est pris deux en quart d'heure.
Sector 3. Est-ce que je t'ai gêné? Oh non, t'inquiète. Il a beaucoup trop couru. T'as faute de la piste, vers la gauche. T'arrives dans la chicane, t'es à droite. Merci. Ah le mec, il est là. Oh, tu vas m'étrage. Elles sont éclatées.
là t'es même plus sur le serveur hein. Si si j'ai réussi à revenir. Moi ouais, j'ai éclaté la cage, j'ai eu 3 minutes de repos. Petit. Oh non, pas que ça. Bon allez, à la prochaine. Merci. Bonne soirée.
minutes là, il me reste 25 litres. Et moi 34,3. Putain, je sais pas, l'essence ça me saoule là. Moi il me reste que dalle, je dors toute la prochaine fois. T'es là Steph dans le chat ou pas? Là, je sais pas du coup si je suis bon ou pas avec mes 54 au pit. Le mec il vient me bumper pour me virer, ensuite je reprends ma place. Sauf que du coup pas quoi faire avec l'essence là, ça me gave. T'as combien de tours là Il te reste combien de tours en carburant Bobby? 5 tours. Ça fait 10 minutes. Et bah tu t'arrêtes dans 10 minutes et tu rajoutes 3 fois ta dose, 3 fois et demi. Ils sont bons. Bah ça a pas l'air déconnant première vue. Tu me dis si je te fais chier Dylan, hein. Tu écartes quand tu passes. Non, non, t'inquiète, t'as Thierry qui arrive derrière en plus. Oui, il s'est déjà arrêté. J'attends que Thierry revienne, tu vois.
mission est là. Je Ah je spin, ah je spin, putain. Bon, bah j'y go. J'ai vu ça. Allez, ah, je vais prendre une peine en plus, putain. Oh là, j'ai 30, putain. Ah. Ah là là. T'étais combien? Et voilà, course pliée. Putain. Direction les fins fonds du classement. Comment tu passes ça? Vingtième. Magnifique.
mec il reste une demi-heure au pit, il ressort et G30. Pff, ouais, c'est tombé ce mec là.
item bouton déplacement.
joli remu ton déplacement. Dommage pour tes petits soucis. Bon, c'est tout, moi je vais vous laisser. Ça, c'est dommage, Romu, que tu t'es foiré. Un peu, tu finissais combien normalement? J'étais avec Hugo, quoi. J'étais devant Drouin. Hugo, ouais, il est P5. Ouais, t'aurais fini P6. Ouais, P5, P6, P7. Oh, moi, ça va, P9, emporte P13. J'ai undercut à crever. J'ai undercut 3 tours avant. Parce que j'avais mal calculé mon essence. Et au final, sur la fin de course, j'ai déroulé et j'étais dans un trou, donc c'était bien. Moi j'ai perdu un coup pendant ma course, je repars 32. Je suis content. 31, je suis P23 du coup. Je suis content, ça va. Ah, je suis reparti P31 avec mon retour de coup là et je finis P23 du coup. Oh, c'est pas mal. Voilà. Ah, je finis enfin une course après deux abandons sur deux opales, ça fait du bien. Ah bah là c'est super. Non ça va, c'était une bonne course, bon à part promu t'as vraiment pas eu de bol. Mais je sais pas si t'as vu le dépassement qu'il a fait Romu, il était magnifique. Ouais à la fin, ouais à la chicane, je crois avoir vu vite fait. Bon début de course j'ai fait un dépassement de l'XT, c'était magnifique. Bah comment que ça se fait qu'il n'y a pas eu les résultats? Bah au pire j'ai enregistré la rediffus, si tu veux je te fais un screen. Ouais, vas-y, je veux bien. Voilà. J'ai fait ça. Bon, ça va, tu t'en sors bien, P9, ça va? Ouais, P9, c'est vraiment pas mal. Bon, moi, j'ai fait une bonne course, et puis dès le début, j'ai bien attaqué, j'ai perdu des places, je me suis retrouvé P17 sur le départ, je me suis fait tasser et tout. Puis au final, j'ai fait la remontée. De toute façon, sur la vidéo d'Annie, je suis passé plusieurs fois, je bloquais ce que j'ai sur le téléphone dans le coin. À chaque fois que j'avais. De toute façon, j'ai eu des gros dépassements. Donc, chaque fois, j'avais droit d'être sur le stream. Tu voulais passer à la télé? Ouais. Mais une fois, on est passé à 4 RBR dans la même ligne droite, alors qu'on n'était pas classé à la suite. Alors... C'était beau à voir. Comment on fait déjà ça? Ah, dommage pour Flo. Flo, il s'est pris le mur et qu'il vient devant moi aussi. Comment je suis sorti de vierge? Hein? Sur écran. Sur vidéo, genre. Il y en a un qui a mis encore une fois perdre à cause d'une voiture de dragster. Alors c'est pas moi, j'arrive pas à faire la capture écran. Bah sinon prends. Mets-toi dans le classement et prends-le avec ton téléphone en le mieux possible et tu me l'envoies comme ça. Je te l'envoie sur quoi? Sur Discord? Tu me l'envoies sur Discord, ouais. Ouais, bah vas-y, je fais ça parce que je sais pas pourquoi. On pourra si t'as un PC, faut pas faire tout le truc. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était une course un peu mitigée, ouais. Bon, ça va, je limite la casse. P13, je crois. Voilà. Et ben, demain, Open PXM sur invitation. Donc si vous voulez me retrouver demain soir, ça sera un open de la PXM sur Silverstone. Allez, bonne soirée à tous les gars. Merci d'avoir été sur le stream.